Et voilà, ça y est, 30 km/h à Bruxelles depuis le 1er janvier. 30 km/h maxi pour les voitures. Ce qui fait qu'il va y avoir évidemment beaucoup moins d'accidents en vélo, puisque les voitures hésitent à doubler quand c'est 30 km/h, évidemment, puisque les vélos roulent à peu près entre 20-25 km/h. Ah, ça, c'est génial. Évidemment, vous me direz, je plains ceux qui ont des 4x4, des Porsche, des Ferrari. 30 km/h en Porsche. Ah, c'est dur quand même, je dois reconnaître quand même. Ça, c'est dur. Hein. J'ai des amis qui ont des Porsche, j'ai des amis qui ont des gros 4x4. Ah, 30 km/h, juste rouler en première, quoi. Ça, c'est dur. Évidemment, ils pourraient passer au vélo, ils pourraient changer un petit peu de mode de déplacement, comme moi je l'ai fait, évidemment. Depuis maintenant 2 ans, je suis passé au vélo. Et je dois dire que c'est bien, parce que je peux boire un peu plus de bière sans avoir le ventre qui grossit. Et oui, je fais un petit peu de sport. Au lieu de passer une heure dans la salle de gym à pédaler face à un mur, bah, je fais un petit peu de vélo, je vais dans la forêt, j'en profite. Et ce qu'il y a de bien à Bruxelles, c'est qu'il y a de plus en plus de gens en vélo. Et ça, c'est génial. Alors, plus il y aura de pistes cyclables, plus il y aura de vélos, et mieux on se portera, on sera en meilleure santé. Et oui, puis on s'énerve moins dans les encombrements. Donc le vélo, eh ben, si vous ne l'avez pas encore essayé, eh ben, faites le test, vous allez voir. Il faut quand même bien s'équiper. Il vaut mieux avoir un casque, des gants, un blouson qui se voit. Mais bon, 30 km/h à Bruxelles, what else? What else? C'est génial. Alors je profite de cette vidéo pour remercier le ou les ministres qui ont validé cette opération, ou les responsables qui ont poussé pour que les 30 km/h soient adoptés dans la capitale de l'Europe quand même. Alors maintenant, j'aimerais bien voir si les autres grandes villes comme Paris, par exemple, va bien vouloir passer à 30 km/h. C'est génial, je veux dire, c'est génial. Maintenant, vous faites du vélo tranquillou, plus personne ne vous rase, ne vous frôle, parce qu'ils ne peuvent plus doubler, évidemment. Voilà, c'est génial, je suis très content. Alors, je voulais vous le dire. Voilà, j'espère que vous allez passer au vélo si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, j'espère que ça vous sera utile. Et je vous souhaite le meilleur. Et puis, si vous êtes un homme politique français, par exemple, ou d'un autre grand pays, eh bien, j'espère que vous verrez cette vidéo et que ça vous inspirera pour passer votre capitale à 30 km/h comme Bruxelles. Et j'espère comme d'autres grandes villes un peu partout. Voilà, et bien je vous souhaite le meilleur avec vos clients. Je vous souhaite une très belle balade en vélo. Moi, je me régale, été comme hiver maintenant. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir. Ah, j'oubliais. Bonne année et bonne santé.